Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire ce joli sac avec une petite décoration de petites fleurs. Vraiment très joli et très sympa à faire. À la base, c'est deux cercles et on va les assembler avec cette bande. Mon sac, je ne l'ai pas encore doublé. Je suis en train de chercher une très bonne. Un très beau tissu avec des fleurs dans les deux temps. Et quand j'aurai fait ça, j'aurai placé le bouton magnétique à l'intérieur. Mais j'ai bien envie de le doubler. Si je trouve un joli tissu, je vais avec le tissu aussi rajouter un petit nœud ici, un nœud papillon, ou bien avec de la guipure. Ou de la dentelle. J'ai envie d'attacher ici une petite dentelle. Alors, pour le sac, 110 grammes. Pour les petites fleurs, je dirais dans les 28-32 grammes de fil crème. Restez avec moi, on va commencer. Aussi, j'ai failli oublier. Alors, mon sac, je vais vous dire, il mesure dans les 21 cm et les cercles, seulement les cercles, sans rajouter ça, c'est dans les 17 cm. Je vais travailler avec du fil coton. Je vais rapprocher un petit peu. Alors, il se crochette entre 2,5, hop, hop, hop. Voilà, 2,5 et 3,5. Moi, je vais prendre deux fils. Je veux que ça soit un petit peu rigide, mais vous pouvez travailler avec un seul fil. Je vais utiliser deux fils avec un crochet 4 mm. Un 3,5. Pour faire les fleurs. Les fleurs, je vais les travailler avec un seul fil, mais vous pouvez prendre un 3,5 si votre coton se travaille entre 2,5 et 3,5. Vous pouvez prendre un 3,5 pour le sac. Une paire de ciseaux, un mètre ruban pour vous donner la mesure, un marqueur, moi je vais utiliser un fil et une aiguille à tricot. On commence avec le sac. Je vais faire un cercle magique et on va travailler avec des mailles serrées. Une maille en l'air pour bloquer mon cercle. 6 mailles serrées. Alors, une, deux, trois, quatre. 5 et 6. Je ferme mon cercle, je tire sur le fil jusqu'à le fermer complètement. Ça, c'est mon premier rang. Je vais prendre du fil, j'adore marquer avec le fil. Je le mets ici. Si vous utilisez un marqueur, c'est en commençant le deuxième rang. Vous le placez sur la première maille serrée. Dans chaque maille, on a 6. Dans chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais augmenter. Alors, une. Je reviens. Une deuxième. À côté. 2 mailles serrées aussi, jusqu'à terminer le rang. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Si vous travaillez avec le marqueur, vous allez juste marquer la première maille, car on va travailler en spirale. 2 mailles serrées sur chaque maille, jusqu'à avoir 12. Mon troisième rang. On va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Oups. Une. À côté, une augmentation. Deux mailles serrées sous le même point.
On répète. Une maille serrée individuelle à côté. Une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf qu'on va changer juste vers le début. Au lieu de faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va faire une seule maille serrée, une augmentation. Et on continue avec 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées, augmentation. À la fin, on va rajouter la dernière maille serrée. C'est pour éviter que notre cercle devienne hexagone. Mais le calcul, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. On commence seulement pour la première maille, on va diviser. Quand c'est un nombre pair, on va diviser, vous allez comprendre. On commence par une maille serrée individuelle à côté. Une augmentation. Et quand on termine notre rang, on va rajouter la maille serrée qui manque pour qu'on y ait 2. À côté maintenant, c'est 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et je répète, 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. J'ai terminé mon quatrième rang. J'ai terminé avec une augmentation. Il me reste une maille avant mon marqueur, car c'est là où j'ai commencé. La dernière, je la termine avec une maille serrée individuelle. Et là, je sais que j'ai complété les 2 à la fin. J'ai rajouté la maille serrée qui me manquait du moment que j'ai fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire maintenant 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est un nombre impair. On ne peut pas le diviser, alors on va faire juste 3 mailles serrées individuelles et 3. À côté, une augmentation. Je répète, 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et je répète, jusqu'à la fin, je vais avoir 30 mailles serrées. Et quand il s'agit d'un nombre, d'un rang impair, on va terminer avec l'augmentation. Mon cinquième rang, plutôt, ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Mon sixième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Sauf au début, on va diviser les 4 par 2, on va avoir 2. On va faire juste 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, on reprend 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va compléter les 2 mailles serrées manquantes. Alors, on commence avec 1 à côté, 2. À côté, une augmentation. Je reprends maintenant. Le principe, c'est 4 mailles serrées individuelles. Ça, c'est 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Je reprends le principe du calcul. 4, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Je répète, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Quand je termine les derniers 4 mailles serrées, une augmentation, je serai là. Il va me rester 2 mailles. Les 2 mailles correspondent aux 2 mailles serrées du début. À la fin du quatrième rang, on va avoir 36. À la fin du sixième rang, on va avoir 36 mailles serrées.
Je suis à la fin de mon sixième rang. Il me reste 2 mailles après la dernière augmentation. Je vais les compléter et j'aurai au total 36 mailles serrées. Mon septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque c'est un nombre impair, on ne peut pas le diviser. On va juste travailler nos 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du septième rang, on va avoir 42 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va faire la même chose du moment que le 6, c'est un nombre pair. On va le diviser par 2. On fera 3 au début, une augmentation. Et quand on termine, on terminera les 3 restantes. Alors, 1, 2 et 3. Je fais mon augmentation, 1 et 2. Maintenant, je reprends les 6. 6 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Je reprends 6, une augmentation, 6, une augmentation, jusqu'à la fin. Quand on arrive à la fin, on termine avec 3 mailles serrées individuelles. Et à la fin du 8e rang, on va avoir 48 mailles serrées. Je suis à la fin du 8e rang, il me reste 1, 2, 3. Avant, il est là mon marqueur. Je sais peut-être qu'il n'est pas vraiment visible. Je termine les 3. 1, 2 et 3. Je prends mon marqueur et je le mets de ce côté-là. On commence le 9e rang. Le 9e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque le 7, on ne peut pas le diviser. On va travailler les 7 mailles serrées individuelles d'abord. 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. À côté, on va faire une augmentation et on va répéter 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 54 mailles serrées. Mon 10e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Du moment que le 8 c'est un nombre pair, on va le diviser par 2. Ça veut dire on va commencer par 4 mailles serrées individuel, on marque toujours la première, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Maintenant, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Et je répète, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 10e rang. À la fin, on va avoir 4 mailles serrées libres.
on va terminer les quatre mailles serrées pour compléter les quatre précédentes. Et à la fin du dixième rang, on va avoir 60 mailles. Je suis à la fin de mon dixième rang. Il me reste 1, 2, 3 et 4 à terminer. 1, 2, 3 et 4. 60 mailles serrées au total. Mon onzième rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le 9, c'est un nombre impair. On ne peut pas le diviser. À côté, une augmentation. Et on répète, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 11e rang, on va avoir 66 mailles serrées. Mon 12e rang, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va commencer par 5, car on va diviser le 10 par 2. On va d'abord commencer par 5, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Maintenant, on va reprendre les 10. Alors, 1, 2, 3, 4, oups, 5, je libère mon fil, j'ai fait perdre ma caméra. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je vais recompter car j'ai failli faire tomber ma caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. Et je vais répéter ça. 10 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, il va me rester 5 mailles pour compléter les 5 premières. À la fin du 12e rang, on va avoir 72 mailles serrées. Je suis à la fin de mon 12e rang. Il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. On les termine. Et voilà mon 12e rang avec 72 mailles serrées. Mon 13e rang, ça va être un nombre impair. On va faire 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va répéter les 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin du 13e rang, on va avoir 78 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 et 11. 11 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Une, je reviens. Une deuxième. Je répète jusqu'à la fin du 13e rang. On va avoir 78 mailles serrées. Mon 14e rang, et c'est le dernier. On va faire, alors j'ai ici mon marqueur, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 78 mailles. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le 14e rang.
Je viens de terminer mon 14e rang avec 78 mailles serrées. On va enlever notre marqueur. On va faire une maille coulée sur la suivante. Et on vient compter. Alors, on vient compter. On ne compte pas cette maille coulée. On va compter de la dernière maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sur la 28e, on met un marqueur. Aussi, on peut regarder, je vais rapprocher, vous allez comprendre. On peut regarder ici sur le 13e rang, on a les 11 mailles serrées, après on a l'augmentation. On a 11, une augmentation. On répète, on a 11 mailles serrées, on a une augmentation. Là où j'ai la deuxième augmentation vers la fin du 13e rang, on la voit. L'augmentation, elle est là. Sur cette maille, on a cette maille en marque. Sinon, on compte plus facile. On va compter 28 mailles et on met notre marqueur. On va commencer les anses ou bien les. C'est pas des bretelles de sac, mais plutôt les anses. À partir de là où j'ai mis ma maille coulée, je vais monter 60 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à arriver à 60. J'ai terminé mes 60 mailles en l'air. Alors, je libère mon fil. Et voilà. Pour être à l'aise. Voilà. Je vais venir là où j'ai mis le marqueur. Et je vais piquer là. Je vais rapprocher encore. Voilà. Je vais piquer là où j'ai le marqueur. Alors, je pique, après, je l'enlève. Je l'enlève et je fais une maille coulée pour l'attacher. Voilà. Je prends ma pelote parce que sinon on va travailler vraiment. Le fil est en bas. Je le glisse à l'intérieur de la chaînette. Il sera de ce côté-là et je vais faire sur chaque des mailles qu'on a laissées, je vais faire une maille coulée. J'ai fait ma maille coulée pour attacher ici, je viens à côté et je fais une maille coulée. Une maille coulée. Une maille coulée sur chaque maille jusqu'à arriver là où on a commencé. Je suis vers la fin. Et là où j'ai mis ma maille coulée et je prends maintenant ma chaînette et je monte aussi dans chaque maille, je fais une maille coulée. Je vais continuer avec les mailles coulées. On était là, on est venu avec des mailles coulées, on monte sur la chaînette avec des mailles coulées jusqu'à arriver ici. Une maille coulée sur chacune des mailles ou bien chacune des 60 mailles jusqu'à faire le tour.
Voilà. J'ai terminé ma chaînette avec les mailles coulées. Je suis sur la dernière maille. Alors là où on a commencé notre chaînette, je viens là à côté et je fais une maille coulée. Je tourne mon travail et je vais revenir de ce côté avec des mailles coulées aussi. Alors n'oublions pas que cette maille, c'est la maille coulée. Je ne vais pas travailler sur cette maille. Je viens là sur la maille coulée de la chaînette. Je prends seulement le brin arrière et je reprends mes mailles coulées jusqu'à faire toute cette chaînette, jusqu'à arriver ici. Sur le brin arrière. Comme ça. Jusqu'à faire toute la chaînette et revenir ici. J'ai terminé, je suis revenue avec mes mailles coulées. Maintenant, on est là. On vient à côté et je fais une maille coulée. Alors, moi, c'est ma deuxième pièce. Pour la première pièce, il faut juste faire une maille en l'air et couper le fil. Et faire une deuxième de la même manière. Sur celle-là, j'ai coupé le fil. Quand on termine la deuxième pièce, on ne coupe pas le fil. On vient là et on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je prends la deuxième pièce. Alors, on va commencer l'assemblage. Je vais les faire comme ça. Envers contre envers. Je prends comme ça les deux pièces. J'ai terminé les 8 mailles en l'air. Je viens. Alors, j'ai attaché ici. Je viens à côté. Je vais rapprocher. Je pense que c'est mieux. Je viens à côté. Celle-là, on l'a déjà travaillée. Je viens là. Et je fais une maille coulée. J'attache les deux pièces. Alors, j'ai mon fil. Voilà. Une maille en l'air maintenant. Je tourne mon travail comme ça. J'ai 8 mailles. Alors, celle-là, c'est la maille coulée. Quand on a attaché, celle-là, c'est la maille en l'air. On va les sauter. On va sur la suivante. Et on prend juste un brin. Le brin arrière. C'est un peu, j'ai serré un peu ici. Et je vais faire deux mailles coulées, l'une à côté de l'autre. Une. Waouh, mon fil là. Alors. J'arrive pas. Ouf, on laisse. À côté. Une deuxième maille coulée. Toujours le brin arrière de la maille. Sur les quatre prochaines, je fais quatre mailles serrées. Une. Je libère mon fil. Deux. Trois. Et quatre. Les deux dernières, les deux suivantes, deux mailles coulées. Une à côté, la dernière, une deuxième.
Je viens pour attacher. Alors, sur cette maille, on a déjà travaillé. Je vais sur la suivante. J'attache avec une maille coulée. Et je fais une maille en l'air. Je viens, je tourne mon travail. Et je viens, je peux voir mes mailles. Alors, j'ai la maille coulée et la maille en l'air. On ne les touche pas. Ça veut dire on va compter 1, 2, sur la troisième. Toujours le brin arrière. Je vais compter 2. Ça sera 2 mailles coulées. J'ai au total 8. On va faire le brin arrière. On va faire 2 mailles coulées, 4 mailles serrées et 2 mailles coulées. 1, 2, 3 mailles serrées, oui, et 4. Les deux dernières, je libère juste mon fil. Les deux dernières, ça sera 2 mailles coulées. Une et deux. Voilà. Et, oups, je suis comme ça. Et normalement, je suis comme ça. Désolée. Et je viens. Alors, on a attaché ici, je viens attacher là, avec une maille coulée. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vais de ce côté maintenant. Je vais sauter 1 et 2. Je vais commencer sur la troisième, le brin arrière. Une maille coulée. La deuxième. Les quatre mailles serrées. 1, 2, 3. Oups. Je libère. 3 et 4. Quand je termine les mailles serrées, j'ai 2 mailles coulées à faire. Et je viens, on a déjà travaillé ici, je vais sur la suivante, je fais une maille coulée et une maille en l'air. Et on tourne notre travail maintenant. On est sur le côté envers des pièces. Je vais sauter. 1, 2, dans la troisième. Le brin arrière. Une maille coulée. Et à côté, une deuxième. 4 mailles serrées maintenant. 1. Je libère encore. Voilà. 2, 3 et 4. Je termine avec 2 mailles coulées. Alors, on commence avec 2 mailles coulées, on termine avec 2 mailles coulées. J'ai travaillé déjà ici. Quand je tire comme ça, je vois la maille. Je viens sur la suivante. Une maille coulée et une maille en l'air et on tourne. On reprend, on va compter 1, 2 sur la troisième. Je commence mes mailles coulées. À côté, une deuxième. À côté, on commence les mailles serrées. Une, deux. 3,
Et 4. Je viens sur les suivantes. Une maille coulée. Et une deuxième. Je viens, j'ai déjà travaillé ici. Je viens sur celle-là et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et je tourne mon travail et je continue mes allers-retours jusqu'à faire tout le tour. On va obtenir ça. Ça sera comme ça tout à l'heure quand on va le terminer. Tout ça. Et on se retrouve ici. J'ai terminé d'unir les deux pièces. Voilà, je suis à la fin. J'ai fait ma maille coulée dans la dernière maille. Je fais juste une maille en l'air et je coupe le fil. Je vais vous montrer. Et voilà. Là, on vient de terminer le sac. On va faire la petite déco. On va glisser et cacher ces fils sous les mailles. Je vais faire un nœud comme ça et cacher tous les fils sous les mailles. Pour la déco, on va faire la petite fleur. C'est pour la mettre ainsi. Alors, j'en ai préparé normalement 7. Je vais faire la 8e avec vous. Et voilà. Et je vais faire la 8e ici. En général, c'est 8. Après, vous pouvez faire seulement la moitié. On prend un seul fil et notre crochet de 3,5. Un cercle magique. Je ramène le fil. Je fais une boucle pour bloquer. Dans le cercle, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme mon cercle et je viens couper mon fil. Et continuer à fermer avec une aiguille. En même temps, je vais avec l'aiguille, je vais créer ou bien rajouter une 6e maille. Voilà. Je viens là. Alors, je vais rapprocher. Ok. Je viens là, sur la première maille serrée, je vais passer sous les deux brins. Et je vais venir dans la dernière maille serrée, je vais piquer au milieu. Et voilà. Et là, j'ai créé la 6e maille. On peut serrer un peu et ça nous fait 6 mailles. En même temps, la clôture, elle est belle. On n'a pas la trace de la maille coulée. Après, vous pouvez faire 6 mailles serrées et fermées comme vous avez l'habitude de faire. Je dois glisser ça aussi. Il faut cacher le fil. De toute façon, on risque rien. Tout à l'heure, les fleurs, on va les coller. Ça va stopper le fil. Et voilà. Je peux couper maintenant. Et on va commencer le deuxième rang. Je vais prendre le beige.
et piquer dans n'importe quelle maille. C'est un peu serré. Je viens là, je ramène mon fil et je fais deux mailles. Dans la même maille, on a piqué, je rajoute trois brides. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air pour clôturer le pétale dans la même maille, ici. Je repique et je fais une maille coulée. Ça, c'est notre premier pétale. Deux mailles en l'air. Je vais cacher ce fil en même temps. Dans la suivante, je vais faire trois brides. Un, deux et trois. Deux mailles en l'air. Je reviens dans la même maille et je ferme. Voilà. Deux mailles en l'air et on va directement sur la prochaine maille. Je viens là. C'est un peu serré. Et je fais, waouh, mon fil. Et je fais trois brides. Une, je reviens. C'est quoi ça? Deux et trois. Deux mailles en l'air. Je reviens et je fais une maille coulée. Et je refais ça jusqu'à terminer mon rang. J'aurai au total 6 pétales. Je suis vers la fin. J'ai terminé les 3 brides, 2 mailles en l'air. On va juste soit venir ici dans la dernière maille et ramener la boucle pour la glisser. Et là, je vais tirer un petit peu sur mon fil. On peut faire une maille coulée, comme on peut juste faire ça. Je vais arranger. Et voilà. Et je viens là. Je prends aussi ce bout de fil que j'ai caché tout à l'heure. Et je vais faire un nœud. Voilà. Je vais faire un nœud. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, on va coller. Alors, on peut ne pas les cacher. On peut juste faire des nœuds et couper les fils. Sauf si vous voulez coudre. Dans ce cas-là, moi, ça ne m'intéresse pas de coudre sur le sac. Alors, on place les 8 fleurs, comme ça. Et on commence à coller. Alors, je prends la première, je mets de la colle là où j'ai fermé surtout et coupé le fil.
au centre et je viens coller. J'appuie doucement et je laisse sécher. La deuxième, surtout là au centre, on n'a pas besoin de coller les extrémités de la fleur, c'est juste au centre et je place ma fleur. J'appuie un petit peu et je continue jusqu'à faire le tour. Et voilà. Et voilà, je viens de terminer de coller toutes les fleurs et ça nous fait ça. Maintenant, on va juste venir placer un bouton magnétique à l'intérieur et le coudre. Et on a terminé notre sac. Moi, je ne vais pas le placer maintenant car je suis en train de chercher un très beau tissu dans le bleu et le beige, peut-être imprimé avec des roses, des fleurs. Je ne vais pas le faire, mais on peut directement, si on n'a pas envie de mettre de la doublure, on va juste placer notre bouton magnétique. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser ce petit sac, ce joli sac pour adultes ou bien pour enfants. J'allais le faire en beige et avec en beige, avec les fleurs en crème, l'intérieur du beige et rajouter là un petit nœud en dentelle ou bien avec de la guipure. Ça va faire un très joli sac aussi pour les fêtes. Je vous dis à très bientôt.